Yo les choux, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play. Les gars, j'en profite, je suis avec vous pour une fois ici. Ce n'est pas le petit dessin, c'est moi, donc j'espère que vous êtes contents. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos, à me mettre un like sur cette partie de la team des choux du sang de la veine et à me dire en commentaire sur les nouveaux habitants qu'est-ce que vous avez fait venir sur votre île. Comme vous voyez, il y a la belle Chino qui est arrivée sur mon île, mais pas que, donc on va voir ce qui se passe. Je vais vous montrer tout ça, et donc nous, on y va, c'est parti, let's go! Ok, du coup j'étais tranquille en train de faire mon sport avec les trois biches de mon île. Nous avons Didi, Rosanne et Chino. Toutes les trois ensemble, elles sont grave belles, hein. Pour le moment, j'ai Chino et Marlou dans les nouveaux habitants. On a plein de choses à faire, je suis trop contente. On va faire la séance de stretching, évidemment, comme d'hab. Après, on va faire Amiral. Après, on va faire Robusto. Enfin, vraiment, le let's play va complètement changer. Je suis trop, trop contente. On va aller voir aussi sur Liajo, Astrid, etc. Franchement, je suis trop, trop refaite de pouvoir changer un petit peu le let's play. Donc, c'est parti. On va faire notre petit sport. Regardez, ils sont tous là. Donc, on va faire notre petite séance de stretching ensemble. On va commencer par ça. Vous êtes prêts, j'espère? Hein. Go le stretching les gars. Alors on va tenter un truc. Ok, let's go, vous êtes prêts? Ils sont trop mignons. Attention. Je suis rien du tout. Si ça, je peux le faire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois. Pas. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Pas. Un. Ah, j'arrive pas sur celui-là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Olé. Olé. Et on saute. On saute. Tout le monde ensemble. Eh, eh. Tout le monde ensemble. Eh. Et on se calme. On se calme. On se calme. La petite séance de stretching est faite. On va aller checker ce qu'il y a chez Méli Mélo. Est-ce qu'il y a des nouveaux objets chez Méli Mélo? Je vais regarder. Salut Méli, salut Mélo. Je vois pas de nouveaux objets. Hein. Ça, je sais pas si c'est un nouvel objet, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Rien de spécial. Oh bah, il y a du violet, parfait. J'en prends 10, mais pff, je sais que je pourrais pas l'offrir au nouveau. On va devoir les avoir en pote, et ça c'est cool, parce que maintenant il y a un but, il y a pas que la photo. Il y a un but, c'est qu'ils puissent vous proposer, après quand le DLC a avancé, de relooker leur maison, c'est trop bien. De venir chez vous, de vous inviter chez eux. Donc c'est important de se faire pote avec ses habitants maintenant, et je trouve ça cool. Je vais aller déjà prendre des fossiles quand même sur la plage. Regardez-les, franchement. Les trois ensemble, elles sont trop belles. Hein. Je sais pas si Marlou il va rester. 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Ça suffit, c'est sûr. Bon, il y a Christine là-bas. Je vais donner un cadeau à Christine. Peut-être que je vais avoir la photo de Christine, je ne sais pas. En tout cas, je vais améliorer mon amitié avec elle et ça, c'est cool. Let's go! Si je veux Terra, Didi, Chino, Rosanne, je suis obligée de faire partir soit Raymond, soit Marlou. Compliqué, hein? Oh non, elle est assise. Mais oui, mais Christine, tu fais pas l'effort aussi. Deuxième essai. Christine qui n'a plus sa sœur à côté d'elle, c'est fini. Nadine est partie, elle a pris son envol, mais elle aimerait bien avoir une seconde résidence peut-être avec sa sœur quand même, sur les villas de loups. Donc elles se retrouveront peut-être là-bas. Molly, faut me croire, le lit Mimi est méga confortable. J'adore m'allonger dessus et dire geek et chic, mais je finis toujours par m'endormir. Je te crois Christine, t'inquiète pas. Cadeau! Waouh, mystère, qu'est-ce que c'est? Attention, un torse d'iguanodon, incroyable, par mon fan club. Un bandana triangle. Bof, bof, ton bandana triangle, là, wesh. T'as de la chance, il est rose. Elle est trop mignonne. Elle est trop belle. T'as de la chance, Christine. Hein. Laura, elle est chez elle aussi. Bah, go faire Laura, comme ça sera fait. Il y a trop de trucs à faire, donc je perds pas de temps aujourd'hui sur les cadeaux. Maintenant, il y a trop de trucs à faire, vraiment. Oh, elle fait à manger. Elle fait quoi à manger? On dirait des noisettes et tout. On dirait qu'elle fait griller des noix, enfin des noisettes, des marrons chauds, un truc comme ça. On va voir ce qu'elle me dit. Ça fait 2 mois que tu ne m'as pas adressé la parole. Oui, mais bon, Laura, il fallait time travel pour avoir les nouveaux habitants aussi. Mon chou, mais oui, je suis ton chou, Laura. Demande-moi simplement ma recette, je n'arrive pas à me concentrer si tu me fixes comme ça. Bah vas-y, tu cuisines quoi? Propose. Ah, je suis heureuse que tu poses la question. Bah, en même temps, tu viens de me demander de te poser la question. Hein. Je prépare un plat de biscuits confiture. Il n'y a rien de plus simple si tu as la recette honey. Suis-je bête, je pourrais te donner la recette. Allez. Deuxième plan de cuisine que je récupère, parfait. J'espère que ça te plaira, je ne connais rien de meilleur qu'un plat de biscuits confiture maison. Je vais apprendre ça, plat de biscuits confiture.
Pour le moment, les plans de cuisine et les trucs de cuisine, je comprends pas trop à quoi ils servent. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas de quête en mode un habitant qui te dit bah voilà, j'aimerais bien un pot de tomate ou un truc comme ça et tu lui apportes. Donc pour le moment, je vois pas trop l'intérêt de craft, sauf si tu veux faire une table ou alors un resto ou dans ta déco. Je trouve ça un peu dommage. Donc pour le moment, moi, je m'en fiche un petit peu de ça dans la mise à jour, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Puisqu'il n'y a pas de target, tu vois. Normalement, ce qui est cool quand tu farmes des choses. Dans les jeux de farming, tu vois, tu fais ton blé, tu crées ton plat, tu le vends, t'as des trucs, tu vois. Mais là, t'as des clients. Mais là, t'as pas de clients, donc c'est un peu bizarre. Il faut que je te dise à quel point je suis tombée folle amoureuse de Raymond. Mais oui, Laura, c'est ça qu'on veut, enfin. Enfin, Laura nous avoue son amour pour Raymond. GG, Laura. Eh ben, écoute, il faut aller le trouver maintenant. Il faut essayer d'avancer maintenant, avant qu'il s'en aille de l'île. Je l'ai observé suffisamment longtemps et il a commencé à me parler. Ouh, intéressant, Laura. Cadeau. Oh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a. Allez, vas-y. Il est dans ta poêle. Une queue de diplodocus. Alors, tu me donnes quoi en échange? Un sol alvéolé vert. Pas mal. Merci beaucoup, Laura. Toujours pas de photos, hein, mais je crois que je time travel un peu trop pour avoir les photos. Mais là, je vais beaucoup moins time travel parce que je veux avoir Chinois en best friends forever. Donc, du coup, il va falloir que je bosse l'amitié. On va aller voir Robusto, les gars. Electro. Attendez, on parle à Electro. Il est juste là. Donc, on va lui emballer un cadeau. Vu qu'il est là, on fait ça vite fait avant. Electro, t'es où? Attends. Tiens, comment va? Est-ce que j'ai éteint le four? Oh, il parle comme Kabuki. Oui, c'est pourquoi? Je commence à m'inquiéter de la prolifération de toutes ces décos d'Halloween. Ah bon, Electro? Mais c'est plus Halloween, donc il va falloir que je change absolument. J'aime autant les citrouilles que n'importe quelle kidam, mais là, elle n'essaye pas de nous envahir. J'ai un cadeau, Electro. Mais oui, cadeau. Un tablier avec manches? À quoi ça ressemble? C'est pas trop nos couleurs, mais bon. Go voir Robusto, on va boire un café. C'est parti. Qui est au café? Est-ce qu'il y a quelqu'un au café? Mais toujours Resetti, mais pourquoi il y a que Resetti? J'ai que Resetti dans mon café, je comprends pas. Il est tout le temps là ou quoi? Qu'est-ce que tu fiches encore là, Resetti? Encore toi? Mais toi, encore toi? Moi, j'habite ici, Resetti. Ça va pas ou quoi? Encore toi? On t'a payé pour me suivre? Mais il est sérieux? Regardez-moi sa tête! Encore un coup des services top secrets. Oh, j'adore. J'en suis sûre. Cette tête. T'es vraiment quand même très très moche, Resetti. Hein. Même dans New Horizon, tu t'es pas amélioré. Hein. Allez, go un petit café là. Un café coûte 200 clochettes, la tasse. Une tasse, s'il te plaît, bien sûr. Entendu. Ah, c'est beau. C'est chill. Santé, les gars. Petite tasse de café pour vous. Très bon, ce petit café. Merci beaucoup. Il est meilleur fraîchement filtré et avant d'avoir eu le temps de refroidir. Attention, mon petit café. Ça a l'air très bon. Bien chaud. Elle est trop mime. Rien de tel qu'une bonne tasse de café pour se réchauffer le corps. Merci beaucoup. Dès demain, tu pourras aussi commander au comptoir à droite. Oh, amélioration, trop bien. On y sert également du café à emporter. Ok, cool, sympa. Merci beaucoup, Robusto. Prochain let's play, on fera venir quelqu'un avec les cartes Amiibo. Go voir le amiral. Olivia, il y a Olivia qui est peut-être chez elle. Oui, il y a Olivia chez elle. Vous pouvez voir mon live précédent, dans le petit i. Franchement, j'en revenais pas. En fait, avant d'avoir la carte de Chino, je la chassais. Et puis j'ai fait mon pack opening et j'ai eu Chino, donc j'ai plus eu besoin de faire la chasse. Donc j'ai mis la carte de Chino. Donc j'avais ma parcelle de libre, et pendant que j'ai fait venir Chino et qu'il fallait passer à 3 jours différents là, j'ai eu Olivia qui est arrivée, et en plus elle vient de chez personne. C'est une Olivia sauvage qui est apparue chez moi. Je me suis dit, c'est un signe, elle est grave belle. Je l'ai toujours trouvée très mims, mais je l'ai jamais prise, et puis elle est tombée là chez moi, donc c'est le moment de la découvrir. On verra bien, c'est une normale je crois. Oh, il y a Mathéo. Déjà, ça ressemble grave à chez Didi. Hein. Mais Mathéo, non, j'allais t'offrir un cadeau. Olivia, c'est mort, je pourrais pas, mais... Oh, c'est si beau, c'est si classe. Très jolie chez Olivia. Regardez-moi comment elle est chou. Elle a les taches sur ses jambes, ses chaussettes, là. Elle en a une plus haute que l'autre. C'est trop beau. En plus, c'est l'hiver, je trouve qu'elle va bien dans la période. Elle regarde absolument Mathéo. Hein. Attends, Mathéo, gratte pas Olivia, tu sais qu'on va te présenter Terra bientôt. Hein. Figure-toi que je reçois également Mathéo aujourd'hui. Ah bah oui, je vois ça. Hein. Ça alors, tu t'es concerté avec Mathéo ou vous êtes là en même temps par coïncidence? Poulette! Oh! J'avais oublié, le chat a voté pour qu'il me dise Poulette. Il m'a proposé Poulette et le chat a voté pendant un live, donc on a dit oui à Poulette. Donc Mathéo m'appelle Poulette, j'avais oublié. Poulette, je te retrouve enfin. La mystérieuse force qui nous tenait à l'écart s'est dissipée. Ou alors c'est parce que je suis restée chez moi pendant des jours à regarder des films de Kung-Fu. Oh, quelle bonne surprise de te croiser chez Olivia. Ça fait plaisir de voir que t'es aussi sur la liste des VIP Poulette. Évidemment, Mathéo, je suis sur la liste des VIP of course. J'ai un cadeau pour toi, Mathéo. Cadeau. Bon, alors, il y a quoi là-dedans? Trop génial, tu m'as donné un crâne d'ankylosaure. Attention, qu'est-ce qu'il va m'offrir? Une robe bécassable.
je connais pas. À quoi ça ressemble ça, Mathéo? Vous avez du coup Olivia et Mathéo ensemble, très mignon. Et Olivia qui est très chou. Bon, vous savez, j'adore les chats, donc tous les chats, je les aime, à part Tupux, je crois. Et regardez-la comme elle le regarde. Elle est omnubilée par lui, mais on dirait pas genre qu'elle est amoureuse, on dirait juste qu'elle est là en mode « Oh, cette petite créature! Mais c'est fou! Ces petites jambes et ce petit corps !» C'est pas un animal de compagnie, par contre, hein, Olivia. Hein. Le mange pas, hein. Non, parce que c'est un chat, donc bon, attention, placé. Ouh, waouh. Je sais pas trop c'est quoi le thème de cette tenue, mais ce violet, c'est pas mal. Ah, y'a Chino, on va parler à Chino. Comment tu vas? Moi, pas trop mal. Quand le ciel est dégagé, j'ai l'impression de voir toute la galaxie, c'est pas tout petit. Deux jours, la lumière du soleil traverse 149 millions de kilomètres pour venir me réchauffer la frimousse. En automne, je me sens toute sentimentale. En fait, ce mot me fiche les jetons. Pourquoi? Pourquoi ça, Chino? Elle est trop belle, hein. Trop canon. Ah, il y a Didi qui s'est assise, il y a Raymond juste là, on en profite. Comme ça, il restera plus que Rosanne. Salut, ça fait toujours plaisir de te croiser. J'ai toujours un petit creux à cette heure-ci. Heureusement, c'est bientôt l'heure de mon goûter VIP. Eh ben, il y en a plein des VIP sur mon île, hein. Tu veux savoir l'heure, n'est-ce pas? Alors, tu peux toujours me demander. Mais je n'en sais fichtrement rien. Depuis que j'habite à Mango Beach, l'heure est devenue un concept abstrait. Plutôt que de regarder ma pendule, je compte les papillons. Je peux juste te dire que le soleil me réveille et la lune m'endort. Et je suis bien plus détendue depuis que je vis ainsi. Chou. Juste une chose, j'aimerais quand même bien savoir à l'heure qu'il est. T'exagères pas, Raymond, hein? Eh bien, il est 14h36, Raymond. Et j'ai un cadeau pour toi. Cadeau! Un crâne de brachiosaure, what? Dis-moi ce que tu m'offres en retour. Attention! Attention, attention! Un pull en polaire à motif. Un pull en polaire à motif, ça peut être sympa. Voyons ça. Ouais, il est grave cool, grave stylé, grave un peu vintage, pour l'hiver c'est pas mal. Franchement Raymond, merci beaucoup. Il y a Rosanne qui parle à Electro. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, les pauvres. Bah alors Rosanne, comment un plan aussi sympa a pu tourner à la cata comme ça? J'ai pas fait semblant de me planter. Il s'est passé quoi? Tu peux me dire pourquoi il n'y a jamais rien qui se passe comme je le voudrais, Rosas? Ah bah c'est comme ça, Rosanne. Par contre, Electro s'en fout vraiment. Tu lui as dit quoi, Electro? Non mais il y a Marlou qui chasse les papillons. On va parler à Marlou en attendant. Tu as l'air fascinée par ma chouette veste avec veston. Tu sais, gamine, moi je suis un hamster simple avec des goûts simples. Circuler, y'a rien à voir. T'es un hamster simple avec des goûts simples. Basique. Simple. Basique. Les hommes les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Alors, la Rosanne là, c'est bon, elle s'en est remis ou pas? Oh là 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 là, elle est en déprime totale. Ah, tu parles d'un fiasco, mais il s'est passé quoi, Rosanne? Il t'a dit quoi, Electro? C'est de nouveau toi, t'as oublié de me dire un truc, Rosas? Ah, c'est bon, c'est passé. On est déjà jeudi? Quand j'étais môme, il y avait une super émission à la téloche le jeudi. L'idée, c'était de choper des types qui assuraient pour prendre des photos et d'organiser des concours. Je peux te dire qu'ils se faisaient pas de cadeaux. J'étais scotchée à l'écran, Rosas. Ok. Super, on est content, Rosanne. Non, 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 laisse tomber. Quoi, tu vas pas te dire que t'avais un truc pour moi? C'est quoi ce délire? I am so sorry, Rosanne, je me suis trompée. On n'est pas potes, en fait, avec Rosanne. Je suis choquée. Didi, lève-toi. Eh bien, tu ne peux pas te passer de moi aujourd'hui. Ma dernière grande passion, c'est la peinture. En ce moment, je travaille sur ma pièce maîtresse, ce sera l'œuvre d'une vie, littéralement. C'est une grande fresque que je peindrai petit à petit en ne donnant qu'un coup de pinceau par jour. Autant dire que je ne suis pas prête d'en voir le bout. Ouais, c'est sûr, là. Allez, prends ton cadeau, donne-moi ta photo, et puis basta cosy, ok? Un corps de spinosaure incroyable et sacré du sang de la veine, waouh! Tu sais quoi, pour te rendre l'appareil, je t'offre ma photo. Pas du tout, un seul sobre rouge. On n'y arrivera jamais. On peut aller sur l'île d'Amiral, maintenant je vais aller lâcher mes trucs. Vous êtes prêts, la petite chanson et tout, là? Let's go, Amiral. On va faire un petit tour? Je te fais le voyage à 1000. Let's go. Et c'est l'heure de mettre les voiles, grimpe à bord et tiens le bon la barre. Petite musique d'Amiral, évidemment, monte le son. Monte. Si t'as des rêves, ben poursuis-les, Molly. Ok. Si tes rêves se réalisent pas, un beau jour, la chance te sourira. Wouh! Sois pas triste, tes rêves se réalisent pas. Ok, on est en automne. Yeah, nous voilà, je reste ici avec mon rafio si jamais tu as besoin d'un outil ou que tu veux prendre le large. Ok, ça marche. Oh, il y a des glands. Oh, il y a des feuilles. Je prends les glands du coup. Hein.
Ah, un gland. C'est l'île aux glands. Il n'y a que des glands. Ça valait pas 1000 miles, vraiment. Hein. Mais bon. Elle n'est pas fofolle, hein, cette île. Hein. Est-ce que c'est un gyroïde? J'ai complètement oublié de récupérer mes gyroïdes sur mon île, là. Bon, bah voilà. On se casse. Amiral, merci, mais non merci. Hein. Cette île, c'était pas folichon. Hein. Pas de chance pour ce coup-ci. Allez, on se casse. Let's go, Amiral, on se casse. Ok, merci Amiral. Go sur l'île à Joe. Go faire la coupe de cheveux. Go voir la prédiction d'Astrid. Et voir qui est arrivé. Ok, alors il y a la Ginette. Il y a Astrid. Il y a Tortimer que j'ai débloqué. Et il y a Serge et Rizette que j'ai pris la dernière fois. Je suis trop contente. Ok, après il faudra qu'on choisisse le prochain. Je vais déjà aller voir Ginette. Bienvenue Molly. J'ai une nouvelle idée de coupe qui décoiffe, Fifi. Te laisserais-tu tenter, ma belle? Je tente l'aventure, let's go. Formidable, je suis à toi dans un instant. Attention, c'est parti. Elle a l'air d'avoir super mal à chaque fois. Oh, pas mal! Legolas vibe, j'adore! Et voilà le travail, et bien mon chou, ça te va à merveille. Que penses-tu de ta nouvelle coupe? J'adore! J'en suis très contente alors. Puisqu'elle te plaît tant, souviens-toi bien de cette coupe. Yes! J'adore cette coupe! Ginette t'a montré une nouvelle coiffure, trouve une coiffure ou un miroir pour l'essayer. J'adore cette coupe Legolas vibe, vraiment. J'adore, ça va bien Molly. Elle est belle comme ça. Salut, grande nouvelle aujourd'hui Molly. Rizette et Serge ont inauguré leur boutique de personnalisation ici même. Enfin, je vous ai les gars, je les adore. Oh bonjour, merci de tout cœur d'avoir pris ces sublimes photos de nous, tu te souviens? Ravie de te revoir enfin. Comme l'a dit Joe, nous avons la joie d'annoncer l'ouverture de notre magasin ici. Il n'y a pas grand chose que mon sœur Julien ne puisse pas personnaliser. Allons, allons, faut pas faire des promesses pareilles, je ferai de mon mieux. Ah désolé, tu m'as un peu pris de court, on efface et on recommence, ok? Salut, sympa de te revoir canaille. Comme Marisette d'amour l'a dit, je me débrouille en personnalisation. Suffit que tu m'amènes ce que tu veux personnaliser et j'y jetterai un œil. Ces deux tourtereaux ne sont-ils pas adorables? Ils font fondre mon petit cœur d'artichien. Et en plus d'être unis dans la vie, ils travaillent ensemble. C'est vraiment remarquable. J'adore Joe. Moi je vous laisse, profites-en pour te familiariser avec la boutique. Oh, trop bien. Tant que je te tiens, je voulais te remercier. Grâce à toi, mon Serge Mounet chéri va pouvoir montrer la mesure de son talent. Et puis, je suis contente de savoir que nous allons te revoir plus souvent. Salut, l'atmosphère ici, c'est vraiment quelque chose. Merci encore. Il y a des trucs que je suis le seul à pouvoir personnaliser, alors ramène-les-moi. Ok, bah moi j'ai rien là, donc je pense que tu vas rien pouvoir me personnaliser, mais on fera ça grave après. Allez, on termine sur Astrid, let's go. Oh, esprit haut destiné, miaou. Moi, Astrid, peux te lire l'avenir pour 1000 clochettes seulement. Lis-moi l'avenir, ou parlons infinité. On fait quoi? Parlons affinité. Je vois de nombreux visages dans ma boule de cristal. Avec qui veux-tu que j'évalue ton affinité? Avec Christine? Avec Didi? Avec Christine. On choisit Christine. Je vais consulter ma boule de cristal pour révéler ton affinité avec Christine. Maintenant, ferme les yeux. J'aime trop, j'aime trop. Oh esprit, oh destinée. Miaou! Yeah! J'ai pas réussi à lire cet en verlan. C'est trop beau. J'adore. Je vois quelque chose. Oh oui, je navigue dans l'esprit de Christine. Tu occupes ses pensées, peu importe qu'elle mange, dorme, fasse sa lessive ou s'amuse. Cette vision m'apprend tout le bien que Christine pense de toi. Tu comptes beaucoup pour elle et elle voudrait se rapprocher encore davantage de toi. Tout cela, je le ressens très fortement. Oh ma Christine! Trop mims. Oh, waouh. Les bougies qui s'éteignent et tout, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Si tu le souhaites, je peux aussi effectuer une incantation d'affinité spéciale. Une incantation me coûte une énergie considérable. Elle coûte donc aussi un prix considérable. Bien sûr, voyons voir. Veux-tu que je récite une incantation d'affinité pour 10 000 clochettes? Oui, je vois. Je prierai pour que fleurisse ton amitié avec Christine. Oh, merci. Ferme à nouveau les yeux, s'il te plaît. Oh, j'aime trop. La musique est incroyable. Miaou. Arkinav, Eitima... Oh, c'est avec Christine, les gars. Elle fait quoi avec Christine? Il s'est passé quoi? J'espère que ma boule de cristal t'aidera à avancer sur le chemin de ton amitié avec Christine. What? Je sais pas ce que j'ai fait, les gars, mais... Incroyable. On est d'accord que c'était incroyable. Et voilà les choux, c'est sur Astrid que je vous laisse parce que franchement je me suis éclatée mais je pense que j'ai assez filmé pour ce let's play. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce nouveau let's play avec Amiral, Robusto, Astrid, etc. Moi ça m'a changé, ça m'a vraiment fait plaisir que juste de faire les photos, c'est quand même beaucoup plus complet, c'est grave cool. Du coup bah n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et surtout à mettre des likes les gars. Mettez plein de pouces bleus s'il vous plaît, si vous avez kiffé ou si vous kiffez la communauté des choux. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Ha!